Le gouvernement fédéral propose un plan anti-burnout pour le 1er janvier 2018. Deux mesures phares. Obliger les entreprises de plus de 100 travailleurs à établir un plan anti-stress au travail. Et puis, reconnaître le droit à la déconnexion, c'est-à-dire ne pas lire ses mails professionnels en dehors des heures de boulot. Ces mesures peuvent-elles être efficaces Thibaut Balthazar et Denis Caudron. Stress, fatigue constante, anxiété du au travail si ces symptômes apparaissent, vous faites peut-être partie de ces 19 000 Belges qui souffrent de burn-out. Le stress est la combinaison de deux facteurs, à la fois la charge de travail et la maîtrise de l'environnement et le savoir lié au travail. Or, on demande aux personnes d'être toujours le plus polyvalent possible. Lutter contre le burn-out, voilà un des objectifs du gouvernement fédéral pour le 1er janvier 2018. Il souhaite notamment mettre en place une obligation pour les entreprises de plus de 100 salariés de se doter d'une plateforme de coach, une mesure dont la future efficacité pose question. Aller consulter quelqu'un pourrait, dans certains cas, s'assimiler à une faiblesse. Or, quand vous êtes cadre, quand vous êtes manager, vous n'aimez pas quand vous assimiliez à de la faiblesse. Donc, c'est très, très chouette de le mettre en place. Mais quant à, est-ce que la personne estimera qu'il a besoin d'aller consulter, ça, je ne suis pas sûre. Autre future mesure mise sur la table, le droit à la déconnexion en dehors des heures de travail. Pour cet avocat spécialisé, le cadre légal sur ce droit existe déjà. Il faudrait donc aller plus loin, quitte à sanctionner les entreprises fautives. Si on crée un nouveau droit à la déconnexion, on ne va rien résoudre, parce qu'il existe déjà dans les faits, et les gens vont continuer de ne pas l'appliquer. C'est une obligation de déconnecter les travailleurs qui doit exister du côté des entreprises. En France, ce droit à la déconnexion existe déjà, mais n'est pas nécessairement suivi. Selon une étude du Conseil supérieur de l'audiovisuel, deux Français sur trois déclarent lire ou rédiger des mails pendant leur période de vacances.